le SOFEM, c'est un rendez-vous très attendu par la jeunesse guadeloupéenne. Et le message des gens à travers cette manifestation veut regrouper toutes les institutions, tous les partenaires qui proposent des projets d'avenir. Trop souvent, nous avons entendu qu'il n'y a rien, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire. Donc aujourd'hui, on a rassemblé toutes ces institutions, tous ces partenaires pour dire à ces jeunes, ben voilà, ils sont là, regardez, vous préparez votre avenir. On manque de carreleurs, on manque de plombiers, on manque de maçons, on manque de bouchers, on manque de traiteurs, on manque de chefs de restaurants. Hein. Donc il y a des métiers qui sont vraiment sous tension et nous avons voulu accentuer ça de sur l'entreprise de division, M. Richardus, qui nous a organisé ce beau salon qui appartenait avec la chambre de métier d'artisanat. Donc nous avons un message fort des devant nos jeunes en disant que tout espoir n'est pas perdu et que l'artisanat est une voie d'excellence, une voie royale. Et quand on est un bon artisan, bien sûr, ça vit quoi. C'est une manifestation que la région affectionne beaucoup. Il faut absolument que nos lycéens et nos étudiants puissent avoir des informations concernant les orientations qu'ils prendront pour les années à venir. Donc il était tout à fait normal que nous puissions mettre à disposition des partenaires, des connaisseurs justement, et aussi des chefs d'entreprise qui puissent expliquer à ces jeunes un petit peu comment peaufiner, comment faire pour pouvoir avoir un avenir meilleur.